Usgural. Et salut les petites gueules, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet œil dans le rétro. Snow Bros aujourd'hui. Sans doute un des jeux que je trouvais les plus mignons et incroyables quand j'étais gosse. On est petits bonhommes de neige. Oh, sérieusement, je me fais tuer pour les levels. Je suis en train de me dire comment on perfecte déjà ce level. On peut tirer de la neige sur les gens, on va en faire des boules de neige. Comme ça, et après il faut lancer les boules de neige sur les ennemis pour les tuer. Et si vous arrivez à tuer tout le monde sur la même boule, c'est un échec. Vous avez des super bonus. Ah, j'ai perdu une vie au premier niveau, c'était incroyable. Et après, un peu la bubble bubble, on monte. Comme vous pouvez voir, alors, faut faire gaffe. Voilà, on commence à avoir des premiers ennemis qui tirent des. Oh, mais c'est pas vrai, une vie au Je vais lancer le record en me disant attention, ce jeu je le connais bien. Je pourrais aller loin. Je viens de perdre un crédit en deux niveaux. Alors attendez, on se concentre, je viens de me foutre de moi-même là. En faisant ça. Hop, voilà, allez, vite. Ah, sérieusement. Et il y aura bien évidemment des power-up qu'on va pouvoir récupérer, des lanternes qui vont nous faire tirer plus loin la neige, courir plus vite, ou des plus gros flocons, si je puis dire. Attention, d'être trop vite au-dessus. Mais c'est pas vrai d'être aussi mauvais, putain de merde. Alors, faut faire gaffe, ça descend d'un étage, la neige, c'est quand même un vrai plus... Ah, une lanterne, oui, faut y aller avant qu'elle dise pop. Ah, c'est la rapidité en plus. La rapidité, elle est cool. Et bien évidemment, il y a un timer sur les levels. Hein. Si vous mettez trop de temps, un ennemi viendra vous botter le fion. Donc, faut faire gaffe à pas prendre trop de temps. Allez, hop, il nous en manquait que un, c'est dommage ça. Est-ce qu'on peut pas un peu s'auto-féliciter? C'est le premier level qu'on passe sans perdre un point de vie. Une vie tout court, on a même perdu un crédit déjà. Catastrophe. Merde, elle avait eu le temps de... Ah, attention. Je crois que celle-là, elle tue tout le monde, non? Ah non, elle nous transforme en dirigeable et on tue tout le monde en leur fonçant dessus. Ça valait le coup, vu que c'était le dernier ennemi. C'est pas grave. Hop. Attends. Je sens que je vais me faire baiser si je fais n'importe quoi, donc on va faire ça. Hop. Pouette. Pas mal. La bleue. C'est laquelle? Ah, c'est les gros flocons. Gros flocons, ça avoine. Non. Quand on meurt, bien sûr, on perd ce genre de bonus. Donc on va éviter le décès maintenant. S'il vous plaît. Vous avez vu à quelle vitesse je le transforme en glace micro. Des lancers de boules incroyables. Allez, on va descendre avec. Bien sûr, on est invincible quand on est dans la boule, sinon c'est pas drôle. Allez, on continue là, on est en mode c'est la gagne. Oh, c'était risqué. Et c'est un échec. Un échec à cause de cette manette de merde. Faut bien se rendre compte que à l'époque les jeux ils prennent pas les diagonales, hein. Donc si tu fais une diagonale, tu peux ne pas avoir de réponse. Et je fais sur une diagonale vers le bas à droite et je me suis pas tourné. Donc ma bite. Non mais t'es sérieux qu'il en fait deuxième? Oh, on est de perdre un deuxième crédit au premier mot. C'est incroyable, dernier crédit. Je crois qu'on sera vraiment sur l'œil dans le rétro le plus rapide de l'univers. Et tu peux arrêter de tirer des trucs, hein? Attends, parce qu'elle va me niquer. Non, mais c'est une catastrophe. C'est une putain de catastrophe. J'arrive au premier boss, j'ai perdu deux crédits. Imaginez là, le pauvre gosse qui a perdu tout son argent. Comme un connard, parce qu'il pue la merde. Allez. Lui, ouais. Allez, ces petites impacts de sang. Hein. Très violent ce jeu. Franchement, avoir un boss qui saigne, c'est pas. On n'est pas trop dans le. Ah, et là, on va faire des points. On rappelle que c'est l'honneur de la guerre, choper une vie.
Et bon, j'arrive. Allez, c'est reparti. Alors en fait, c'est mon joystick qui se tourne tout seul vers la droite. Ouais, bien sûr, des excuses, tout ça, hein, sur les productions dans le plus, mais... Non, mais c'est réellement ce qui se passe. Et ça explique pas mal de choses. Ah, faut le tir loin, ça c'est pas mal aussi. Bon, ça vaut pas le tir fort, hein. Le tir fort c'est vraiment le meilleur. Là, le connard d'ami qui commence à pop. Donc il va falloir accélérer. Je crois qu'ils peuvent descendre, mais pas tout de suite. Le connard. Hop. Merde, on a pas eu tout le monde. Chier. Non mais sérieusement, faut arrêter de tirer à droite, le connard de jeu, là. Oui, trop bien, ouais. On fait des points dans le mur ? Non, c'est pas bubble. Celle les plus anciens. Informé de cette strat incroyable de points. Point. Et c'était un jeu, je me souviens, je l'avais sur Game Boy. C'était pas beau, mais j'étais trop content d'y jouer, parce qu'à l'époque, l'émulation, ça n'existait pas, donc... Bon, jouer à ce jeu, entre guillemets, en minute... Attention à eux, là. Ils sont invincibles quand ils sont en tour nicotine, là. Ah, un connard. Hop. Non. Voilà. Alors aussi, le truc qu'on peut faire, c'est quand on est sous la boule de neige et qu'on saute en dessous, on peut la faire changer d'étage. Ça a raté. Oh la putain, sérieux. Oh. Non mais j'ai touché personne avec celle-là, j'ai touché de ma gueule, hein. Fuck me. Non. Voilà. Ouais, et c'est ma dernière vie. Faut que je gagne une vie, là. Oh, le bâtard de bonus qui dépop devant moi, putain. Voilà, faut pas se laisser emmerder par... Ah oui, c'est... Oh, oh non. Oh, je suis même pas arrivé à deuxième. Oh putain. Non, non, il en a trop sur Snow Bros. C'est beaucoup plus simple à deux, hein, comme jeu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve dans la prochaine vidéo, les petites gueules. Allez, salut.